Salut, c'est la Minute Découverte. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un restaurant donc rapide, comme un fast-food, mais le fast-food de luxe japonais. Donc, je l'ai appelé 24 heures parce que bon, il doit être apparemment ouvert 24 heures sur 24, mais comme le nom est en japonais, on n'a jamais su comment il s'appelle. Donc, on l'a appelé 24 heures. Alors, un restaurant vraiment super sympa. Donc, soit vous preniez au buffet, donc il y avait des soupes, il y avait des tempura, il y avait des onigiri ou alors il y avait des salades d'épinards, de pommes de terre, des salades de tomates. Vous aviez aussi des œufs durs. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc soit vous preniez de la salade, soit vous preniez de la soupe, des tempura, ce que vous voulez. Ou alors il y avait aussi des petits plats tout faits. Donc il y avait des plats à base de pommes de terre ou de châtaignes d'eau aussi, j'ai vu. Il y avait des aubergines. Il y avait aussi des cara-edge. Il y avait des gratins. Des pommes de terre avec du jambon, enfin c'est vraiment très varié. Donc soit vous serviez comme ça, soit vous preniez un plat à commander donc au comptoir. Et là donc voilà, je vous filme, il y a vraiment toutes sortes de plats et donc ils sont représentés soit sur une carte, soit donc sous forme de cire, comme ça on savait exactement ce qu'on mangeait. Et alors ce qui était super sympa, c'est que les cuisinières cuisinaient devant vous, donc c'était ultra frais et en même temps ultra chaud, donc vous aviez plus qu'à manger, à emporter. En fait c'était vraiment seulement à emporter, on pouvait pas manger sur place. Et donc voilà, et le prix n'était vraiment pas cher puisqu'il y avait des plats à 420 yens, ce qui fait moins de 3 euros. Donc autant dire que c'était copieux, qu'on se régalait pour vraiment pas cher. Allez, c'était la Minute Découverte par Choc Miel, à bientôt.